Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mail Day. Donc j'ai pas fait la vidéo Mail Day hier vendredi, je l'ai fait aujourd'hui samedi. J'ai pas vraiment eu le temps de faire la vidéo Mail Day hier. Donc je voulais la faire aujourd'hui. Donc je vous la présente sans plus tarder. J'ai reçu un beau lot de cartes pour commencer de Ice. Et j'ai reçu quelques cartes pour ma collection des Canadiens et pour faire autographier et tout. Donc on va commencer. Avant de passer au lot de Ice, j'ai reçu deux Jacob Pelletier ici. Dans CHL, donc peut-être faire autographier un jour. J'en ai fait signer dernièrement par Jacob Pelletier des cartes et des items et photos et rondelles et tout. Donc j'ai ceux-là un peu plus en retard. Donc je les ferai peut-être signer en TTM ou quelque chose comme ça un jour. Ensuite, on passe au lot de Ice. Donc on commence ici avec une marque Nico Sturm. Nico Sturm sur 999 de Ice. Donc avec le Wild du Minnesota Rookie. Donc, un beau petit lot d'Ice quand même. On a une Jakob Trenin ici sur 999 également, Ice Premier de cette année, 2019-2020. Ensuite, on y va avec deux Mathieu Olivier. Donc, des Prédateurs de Nashville sur 1299. C'est dommage, lui aussi, je l'ai fait autographier dernièrement. Et je les avais pas encore reçus, évidemment, ce lot. En fait, j'avais même pas encore acheté. Donc, ça ici. On a un autre Nico Sturm ici. Je l'avais oublié de la mettre avec. Donc, un autre Nico Sturm. Ensuite, on a une Jordan Kyrou. Celle-ci, c'est de 2018-2019, Sub-Zero, sur 999, Jordan Kyrou. On va avec une Martin Ferrari. En tout cas, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ferrari. Sur 499, jeune défenseur des Capitals de Washington. Ensuite, on y va avec une Mackenzie McEachran sur 499 des Blues de Saint-Louis. On va avec deux Sub-Zero de cette année, 2019-2020, deux Sub-Zero de Teddy Bluger et Penguins de Pittsburgh. Donc, Penguins de Pittsburgh commence la série ce soir contre les Canadiens de Montréal. Très hâte de voir les joueurs en action, autant des deux équipes, puisque Pittsburgh, c'est comme ma deuxième équipe un peu avec les Golden Knights, mais de Vegas. Mais les Canadiens, c'est vraiment ma première. Donc, quand même, on va voir. Je serais content quand même si Pittsburgh remporte la série. Les Canadiens, ben, ils auront au pays des chances de repêcher premier ou de repêcher neuvième. Plutôt que repêcher un peu plus loin, s'ils gagnent la série contre Pittsburgh, puis qu'ils perdent ensuite, soit contre Boston, Tampa Bay ou une des bonnes équipes qui va rester à affronter. Donc, on y va ici avec une Ice Premier de Connor Garland. Donc, on continue le lot de Ice sur 499. Celle-ci, c'est de 2018-2019. Ensuite, on retombe avec une 2019-2020 Dante Fabbro, Jersey, Ice Premier Jersey. Et on termine avec deux autographes pour le lot de Ice, une Teddy Bluger. Penguin Pittsburgh, encore une fois, Teddy Bluger sur 399 Ice Premier autographe. Et on termine avec une Ryan Ellis Ringside Signing. Donc, Ringside Signing, une belle autographe de Ryan Ellis. Donc, un beau petit lot ici de cartes qui seront pour repasser, pour faire des transactions, pour vendre. J'ai dit pour pas cher ce petit lot-là, ça fait plaisir. Ensuite, on y va avec un lot de cartes qui ne sont pas nécessairement des joueurs dans l'uniforme du Canadien, mais c'est des joueurs que je pourrais avoir la chance de faire autographier ou que je collectionne puisqu'ils sont maintenant membres des Canadiens. Donc, on a une Alex Burrows ici de Contours, donc la série Contours qu'ils ont faite en 2015-2016, Upper Deck Contours, Blue sur 499. Donc, Alex Burrows, peut-être la faire signer un jour, alors qu'il recommencera, qu'on aura la chance de rencontrer les joueurs et tout. Ensuite, on y va avec une Shea Weber, la même chose, Color Contours, pas Color Contours, Contours, Upper Deck Contours, sur 499 également, donc carte die-cut. Ensuite, on y va avec une Brett Kulak sur 1999 de Ice Premier, de Brett Kulak. On y va avec deux Gustav Olofsson sur 799 Ice Premier, c'est les rétro, Level 2. On y va ensuite avec une Carey Price, donc carte UPC, les cartes à jouer. Donc, de 2019-2020, en fait, des cartes à jouer, mais c'est des cartes quand même de hockey. Donc, des cartes, les styles cartes à jouer qui ont fait encore cette année. Ensuite, on y va avec une Ryan Paling Rookie Science Credential. Donc, j'en ai quelques-unes comme ça, donc je pense pas toutes les garder. Ensuite, on y va avec une Overtime de Cal Fleury Rookie Overtime. Donc, je l'ai eu pour pas cher celle-ci sur eBay. Donc, je me suis dit si un jour je peux la faire signer, ce serait cool. On va ici avec un autre Cal Fleury ici de Rookie Reliance de Stature, la nouvelle série qui est sortie de Stature. Stature qui est sortie dernièrement, donc 2019-2020, Stature, la Green Version sur 99 de Cal Fleury. Ensuite, on va avec Jordan Will
Authentic Rookies, autographe de Jordan Will, Authentic Rookies, de SP Game News, la Blue, Rookie de Jordan Will. Et les trois dernières cartes, des cartes numérotées également. On y va avec une Daniel Carr, UD Premier Rookie, sur 65. Donc j'avais la numérotée sur, je crois, 399 ou 299. Donc j'ai rajouté la numérotée sur 65 à ma collection. Donc de Daniel Carr. Et un autre Daniel Carr ici, UD Exclusive Young Gun. UD Exclusive Young Gun, donc numéroté sur 100, la 7 de 100 de Daniel Carr, belle petite exclusive. Et on termine ici avec une Ryan Peeling Fluorescence sur 150 de Ryan Peeling. Sa recrue 2019-2020 de Upper Deck Série 2. Rookie de Fluorescence de Ryan Peeling sur 150. Donc, ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et l'ouverture de l'été 2020 également qui va se poursuivre très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de lâcher un like à la vidéo et tout. Donc, vous pouvez commenter également. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.